gasara helali gasara shotto alla taudo Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Bonsoir. Ça va bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Ba Ali Morana. Oui. Je suis résident en Côte d'Ivoire. Présentement, je suis à Marela, en Guinée. Ok. Nous sommes venus vous rencontrer ici dans une circonstance très alarmante. Vous êtes victime d'un accident. Si possible, expliquez-nous dans quelles circonstances que vous êtes arrivé ici. Bon, tout d'abord, je rends grâce à Dieu, parce que c'est à travers lui que tout se passe. J'ai eu un accident entre Farana, à la sortie de Farana, pour venir à Marela, juste au premier village, après le barrage. J'ai garé mon véhicule pour uriner et un autre véhicule pour quitter au sens inverse pour me percuter. Sincèrement, de ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu des pas sur moi. C'est la seule image que j'ai en tête pour l'accident. Par la grâce de Dieu, encore grâce aux bonnes volontés, ils m'ont aidé à rejoindre Marela. Je suis actuellement au dispensaire de Marela. Je tiens aussi à remercier les agents de santé qui ont été prompts, qui ont réagi sincèrement avec une conduite impeccable. Je tiens à féliciter tout le monde, tout ce corps ici. Merci beaucoup. Ok, déjà vous avez reçu les premiers soins. Oui. Vous pouvez nous expliquer à combien de kilomètres de Farana que vous avez ce problème, par exemple? Bon, pratiquement, je pense que c'est après 15 km parce que j'ai gardé le véhicule pour uriner et j'ai eu ce problème. Quand j'étais juste sorti du barrage pour les gendarmes, je pense que j'ai même pas arrivé 5 à 10 km et immobilisé le véhicule pour pouvoir uriner. J'ai garé dans la norme, j'ai mis les clés même de détresse pour dire que le véhicule était garé et je suis sorti pour aller le mettre à l'aise. Bon, sincèrement, l'image que j'ai en tête, c'est un minibus. Parce que j'ai vu ces phares sur moi. Le temps que je me rends compte qu'il y a des phares sur moi, j'étais du Madagascar d'Afrique. Mais je pense que c'est un minibus. Vu l'ampleur des dégâts, je pense que c'est un minibus. Un minibus. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est mardi. Nous sommes sur la transversale qu'on a crise et recourée. C'est le jour où beaucoup de minibus traversent pour aller à Conakry. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez pensé automatiquement à un minibus ou bien vous avez constaté que c'est un minibus? Bon, honnêtement, vu ce que j'ai constaté aujourd'hui, les minibus, sincèrement, en Guinée, ils se permettent de faire une vitesse excessive. Excessive. Raison pour laquelle je me dis que c'est un minibus. Parce que il a perdu le contrôle de son véhicule pour venir me percuter. J'étais même dans la brousse. C'est dans la brousse qu'il est venu me couper. Donc, c'est un minibus. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est grave. Ces minibus se permettent de faire n'importe quoi. Ils font la vitesse en genoux fous. Ils ne considèrent rien, ils ne respectent rien. Ils conduisent comme des violents. Ils font des dépassements même dans les virages. Ils font des dépassements sur les côtes. Ils prennent tous les risques possibles étant en séchage. Donc, vraiment, je confirme encore que c'est un minibus. Quand je suis sorti de Farana du corridor, j'ai voulu peut-être 10 à 15 minutes et j'ai garé. J'ai garé sur ma droite, j'ai bien serré, j'ai mis les feux de vitesse. Juste pour uriner pour 3 minutes. À ma gauche, un véhicule vient de passer. Donc, c'est malheureux, c'est imprudent, c'est méchant de ma part, même de nos frères qui conduisent. Mais c'est un minibus. Il faut qu'ils sachent que c'est la vie des gens qui tiennent. Quand ils tiennent aussi la vie des gens, ils font face à des personnes. Il y a des civils, il y a la population qui est là, qui se déplace, qui va peut-être au marché, les enfants vont à l'école,
Les enfants vont faire leur activité, les parents, tout le monde se déplace. Bon, quand on constate ça, excès de vitesse, en milieu rural, c'est dangereux. Sincèrement, c'est pas bon. Aujourd'hui, je me retrouve avec une fracture à la cuisse. Pour les rien. Ils m'ont oublié ici. Ok, est-ce que le minibus qui vous a touché s'est arrêté pour constater les faits ou bien il ne l'a pas fait? Non, il ne s'est pas arrêté. Il m'a cogné, il est parti. Sincèrement, il m'a cogné et il est parti. Il n'a même pas voulu attendre le descendre, venir me saluer ou demander comment même je vais. Il n'a même pas pris tout ce temps. Il a juste ralenti ce que j'ai appris selon les informations après, qu'il a juste ralenti et il a déconné. Donc, c'est un des responsables. Donc, le fait qu'on ne sait pas c'est quel véhicule, on ne sait pas c'est lequel des minibus. C'est méchant. Mais bon, comme Dieu est le plus fort, chacun a la même compte. Et on voit à Dieu, je dis que je vous porte bien, que la douleur beaucoup, même si je aussi grâce aux agents de santé, de Maréla. Vraiment, je félicite, c'est cette équipe que j'ai trouvée ici. C'est difficile de nommer les noms parce que je ne connais même pas les noms. Mais vraiment, ils ont été accueillants. C'est intéressant quand tu es malade et que tu te retrouves dans un hôpital et que le personnel même est accueillant. Je pense que ta maladie va de l'avant. Vraiment, merci à Dieu. Je passe à travers vos zones pour dire merci à cette grande équipe que j'ai trouvée aujourd'hui. Vraiment, je suis ravi. Je rappelle votre nom. Je m'appelle Pa Ali Morana. Je viens de la Côte d'Ivoire et je vais à la baie. Bon, aujourd'hui, je suis immobilisé avec une fracture à la cuisse. J'attends demain pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire même pour rejoindre ma ville de la baie. Bon, ainsi de suite, on verra. Mais je dis déjà merci à Dieu, merci à tout le monde et surtout merci encore au personnel que j'ai trouvé. Sincèrement, le personnel a été tellement accueillant que moi-même, je n'ai pas senti mal, sincèrement. Donc, je tiens à dire merci encore. Merci, monsieur.